It's pretty exciting to see not just where Montreal has gone over the last 30 years or so, but where it's going to be going in the future. Le talent pour créer cette image puis faire tous les logiciels 3D vient des universités de Montréal. Donc c'est comme ça que l'industrie a existé au départ. On avait quand même du talent en programmation puis au niveau artistique à Montréal. Fait que ça, c'est ça qui a parti l'industrie. The industry in Montreal it's been a tremendous success story. Behaviour has kind of grown alongside the industry in Montreal, kind of, maybe not always at the same cadence, but definitely kind of evolved over time. Est-ce que tu veux un jour encourager les institutions qui ont aidé l'industrie? Moi, j'ai pris ça comme qu'il y a beaucoup de recherches qui s'est faites en programmation, beaucoup moins en artistique puis en design. We love Concordia. Going there and seeing the massive amount of diversity in Concordia, it's a microcosm of Montreal, but even of Canada and the world. Alors l'industrie locale pour commencer, puis l'industrie internationale. C'est ça que j'ai aimé dans l'approche. C'est qu'on forme des gens, on arrive avec des concepts innovateurs. Moi, je pense que c'est juste l'innovation. Thing about it was that it was a way to sort of support diversity in the game industry through a place like Concordia, which of course has always had tremendous diversity. Quand les gens travaillent sur l'innovation, ils se forment des gens, là. Veux pas, à travers tout ça, il y a des gens qui vont sortir de ça avec un meilleur bagage. Puis là, comme industrie, puis j'espère bien vivre, on va en profiter, mais comme industrie, on va en profiter. I think it's important to make sure that the industry is telling the world stories. And so having diverse voices means that people all around the world can see themselves in that art.